Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée en Islande. On est dans la jolie ville de Siddisfjordur qui est tout à l'est, vous allez le voir sur la carte. Hier on a fait beaucoup de routes, donc aujourd'hui ça va être détente, promenade et découverte de cette jolie ville du bout du monde, on a l'impression. Et on vous emmène avec nous, c'est parti. Voilà notre petite maison qui est très grande. Tu sautes? Allez, c'est, oui. c'est pas beau pour les genoux. Ah ouais, t'as pas un bon terrain génétique avec ta mère. Alors, à Siddisfjordur, il y a beaucoup de passages parce que c'est la seule ville en Islande par laquelle on peut arriver en bateau. Si vous venez en camping-car, en véhicule aménagé ou même avec votre voiture, vous pourrez arriver que par ici. En fait, vous partez du Danemark. Le voyage il dure entre 37 et 39 heures. Vous partez du Danemark, vous faites une escale de 6 à 9 heures sur les îles Féroé. Et après, vous arrivez en Islande. Et c'est la seule ville par laquelle vous pouvez arriver par bateau. C'est noté aussi que c'est une ville très artistique. Donc on croise plein de petites maisons, soit peintes, soit avec des éléments artistiques à l'extérieur, dont on apprécie ou pas le... Ce gros bateau, on met 1400 personnes et 800 véhicules. Tout type de véhicule. Et il est en chemise hawaïenne. C'est un des sympas. Hein. Ooh.